Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'une petite boîte de décoration. Je ne vous fais pas le très gros modèle, ça risque de prendre trop de temps. Là, je vais vous montrer un peu comment on la façonne, comment on peut la fabriquer, et après, à vous de voir pour faire des plus gros modèles. Alors, on va dégrossir la pièce de bois. Donc une fois ma pièce dégrossie, moi je n'ai pas de tracé ni de dessin précis, donc je le fais un peu à la volée pour moi. Après il existe des exercices pratiques où on peut avoir des cotations très précises, là j'en ai pas actuellement sur moi, donc là je vais juste continuer ma pièce et commencer à faire la prise mandrin. Donc une fois ma pièce fixée sur le mandrin, on va pouvoir commencer à détailler la boîte. Là, on va devoir enlever cette partie-là qui n'est pas droite. Après, on va commencer à faire la boîte plus le pied. Donc, hop, je me laisse un peu de marge pour le pied. Je sais que le corps de la boîte avec couvercle fera à peu près ça. Hop. Et le reste sera bien sûr la hanse. Donc là, on va délimiter le couvercle et la boîte. Donc pas creuser trop profond parce que c'est ce qui va venir s'emboîter dedans. Et là, on va refaire le tracé juste à côté pour couper. Là, mon couvercle est quasiment fini.
Donc là, je vais finir le couvercle, je vais lui mettre le produit de finition après le ponçage. Donc là, maintenant que le couvercle est réalisé, on va pouvoir le couper. On enlève bien sûr le petit teuteux qui reste accroché. Voilà. Et on va. Donc maintenant, on va finir le corps de la boîte. Alors, je vais pas creuser de trop parce que on va d'abord creuser l'intérieur. C'est juste pour lui donner une première forme. Donc là, on va reprendre le diamètre intérieur de la boîte. Donc là, j'ai pile poil 5. Et là, avant d'aller plus loin, je vais vérifier si ma boîte se ferme. Donc là, j'ai pas été assez loin. Donc on va en enlever un peu plus. Donc là, on va vérifier. Là, je rentre. J'ai pas trop de jeu. Je peux ni bouger à droite, ni bouger à gauche. Donc là, il est parfait. On va finir le creusage de l'intérieur de la boîte. Là, j'utilise une gouge à creuser de petit diamètre, donc c'est du 6, pour finir la boîte. Et ensuite, on va passer un peu le racloir. Donc là, une fois la boîte creusée, on va la finir.
Voilà pour cet exemple-ci. Après, vous pouvez évidemment utiliser différents types de bois, faire du collage au niveau des pieds, du corps ou même de la tête de la boîte. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc voici quelques réalisations. Donc c'est des petites boîtes destinées à des meubles de chevet pour y poser une petite chaîne et même pour y poser directement la bague dessus. Ça nous sert aussi de support de bague. Donc on a différents petits modèles. Alors celle-ci, comme je vous ai expliqué, elle est en plusieurs parties puisque la tête est un collage par rapport au reste du corps. Après, évidemment, il y a d'autres types d'essence de bois. Ensuite, on peut partir sur des plus grosses boîtes. Alors celle-ci, elle a une déformation naturelle. Elle est légèrement ovalisée. Du coup, ça me permet, en faisant un quart de tour, de la bloquer. Après, nous avons les boîtes un peu plus grosses pour y poser du café. Encore un peu plus gros. Et là, on commence à avoir une tête qui est un peu plus travaillée. La fameuse bonbonnière à thé, à sel, à sucre et à café. Un modèle ici qui est beaucoup plus fin et demande un peu plus de travail. Donc là, n'hésitez pas à tourner très très vite pour faire du fin, pour éviter de casser. Ici, nous avons une boîte de décoration à poser sur les buffets. Donc c'est une espèce de gros vase hein, creusé où j'ai mis un couvercle. Après, on va commencer à avoir des boîtes un peu plus recherchées au niveau de l'ornement. Donc là, je les fais en deux matières et deux couleurs différentes. Et ensuite, on a un peu les boîtes de décoration d'art. Donc c'est des boîtes qui sont beaucoup plus travaillées. Donc on voit au niveau de la finesse et de l'objet. Alors j'ai utilisé pas mal de différents types de bois. Et ensuite, nous avons la grosse boîte à pied préférée, on va dire, des tourneurs. On fait souvent des grosses boîtes à pied. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, à me liker si vous avez aimé. À bientôt.